Amis gamers et amis gameuses, bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Strider et comme vous avez pu le lire sur l'intitulé de la vidéo, il va être question pour moi aujourd'hui de vous réaliser une vidéo unboxing. Vous savez que je ne fais pas relativement ça souvent étant donné que pour moi la définition d'un véritable produit collector, c'est avant tout un produit qui est soit tiré en une édition extrêmement limitée, soit un produit rarissime en termes de production et de facilité en fait d'accès. Donc voilà, j'avais déjà eu l'occasion une première fois de vous réaliser une vidéo unboxing pour ceux qui s'en rappellent sur mon profil concernant l'édition collector de Sonic Generations sortie justement sur console next-gen. Et là, j'ai décidé de récidiver en vous faisant une nouvelle vidéo unboxing dont je suis d'ailleurs extrêmement fier puisque je viens de faire l'acquisition d'un gunship justement de ma série Metroid Prime et plus précisément du premier épisode de Metroid Prime, à savoir donc une réplica du vaisseau de Samus, la célèbre chasseuse de primes, la Bounty Hunter de la série Metroid. Donc je suis extrêmement fier d'avoir pu avoir cette pièce que je ne pensais jamais posséder tout simplement. Pour plusieurs raisons, étant donné que c'est une pièce extrêmement rare, éditée dans le monde à 750 exemplaires, à l'échelle mondiale donc, et qui avoisine, lors de sa sortie, qui avoisinait les 300$ pour pouvoir en avoir ne serait-ce qu'une seule. Donc voilà, je suis extrêmement conscient que je suis assez chanceux d'avoir pu avoir tout simplement cette pièce-là. Non seulement déjà à quasiment un tiers de son prix, donc ça c'est vraiment quelque chose qui m'a fait très plaisir. Et puis voilà, de l'avoir eu dans un état neuf, ça aussi c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu, étant donné que je ne pensais pas vraiment aujourd'hui, hein, en 2012, trouver ce vaisseau en état neuf à ce prix-là. Donc je suis extrêmement fier de cela. Donc pour vous faire une présentation exhaustive de ce vaisseau que je vais vous ouvrir donc sous différents plans de manière à ce que vous puissiez le voir sous tous les angles, il s'agit donc d'une réplica du vaisseau donc de Samus Aran dans une version qui excède les 40 cm en termes de superficie, en termes de surface plutôt. Une version donc solide, extrêmement lourde puisqu'elle est faite dans un matériau très lourd, qui a la capacité, la particularité, donc déjà donc d'être extrêmement détaillé, c'est un travail très minutieux qui a été fait autour de ce vaisseau, mais qui a surtout donc la particularité d'être d'une part rétro-éclairée, c'est-à-dire qu'elle peut être alimentée en énergie, le cockpit s'allume, les réacteurs sous le vaisseau s'allument, pareil pour les moteurs à l'arrière de la pièce, puisque je l'ai déjà ouverte, hein, je l'ai refermée et rangée dans les conditions de sa réception de manière à ce que voilà, je puisse l'ouvrir tel que si je l'avais fait la première fois, hein, donc ça va vous permettre de voir comment était emballé le produit. Et également des parties sur le vaisseau sont amovibles, ainsi que le support qui permet de tenir le vaisseau, qui est très bien harnaché, et qui permet au vaisseau d'être positionné dans différents angles, de manière à pouvoir permettre voilà, une meilleure présentation. Il faut savoir que en plus le rétroéclairage est fait de plusieurs couleurs, de manière à ce qu'une fois la lumière éteinte, vous ayez un rétroéclairage qui vient du dessous du vaisseau, qui donne un effet encore plus astronomique, on va dire, au vaisseau, une fois tout simplement activé. Donc voilà cette pièce hein, donc du gunship de Metroid Prime est éditée donc comme je vous l'ai dit à un nombre d'exemplaires limité 750. Il y a une carte d'identification qui est dans la boîte qui permet donc de référencer le produit sur le site officiel du constructeur donc de la figurine donc ou même de la réplica, on parle plus d'une figurine mais même d'une réplica maintenant. Donc la constructeur de cette figurine c'est First Four Figures qui ont déjà eu l'occasion de faire beaucoup de réplicas d'autres types de jeux vidéo et notamment de la série Metroid. Là j'ai le gunship donc de Metroid Prime 1 mais il faut savoir qu'ils ont également réussi à réaliser le gunship de Metroid Prime 2 et ils ont également, et ça je tenais aussi bien sûr à les posséder, des réplicas de Samus Aran en train de tirer donc son rayon de charge, soit en version classique avec le costume Varia, soit en version alternative avec le costume Gravité, donc avec la couleur violette. Donc voilà, que des pièces qui se rétroéclairent d'ailleurs, hein, comme ce gunship de Metroid Prime 1, qui sont bien sûr extrêmement cotées, très dures à trouver, donc je vous souhaite, si vous souhaitez donc de faire l'acquisition de ce contenu, de pouvoir parvenir à vos fins et de le trouver. Donc comme vous allez pouvoir le voir, donc je vais retirer les produits Metroid Prime que j'ai mis tout autour hein, pour faire office de présentation. Donc je m'en suis pour l'instant tenu qu'à mettre les boîtes concernant la saga Metroid Prime puisque c'est une réplica du jeu donc Metroid Prime 1 qui est proposé ici. Donc je vais retirer les produits petit à petit. Donc Metroid Fusion, Metroid Prime 1 et 2 sortis donc sur Nintendo GameCube et Metroid Prime 3 Corruption sorti sur Wii.
ainsi que Metroid Prime, donc trilogie qui reboot Metroid Prime 1 et 2 avec le gameplay de Metroid Prime 3 Corruption au Moonshook. Donc voilà, je vais vous faire un petit tour de la boîte dans un premier temps sur les flancs pour que vous puissiez voir un petit peu comment se propose le produit. Boîte qui est assez lourde hein, puisque le vaisseau quand même fait son poids. Donc vous pouvez voir voilà sur les flancs de la boîte que on a le vaisseau qui est pris en photo une fois la lumière éteinte avec le rétroéclairage. L'autre flanc de la boîte, on va faire deux mains pour la tourner. Je viens de faire tourner une boîte. Voilà. Donc voilà le vaisseau une fois de nuit. Et enfin au dos de la boîte, et ce sera le cas également dans l'emballage une fois que j'aurai sorti le tout, sous un autre plan d'ailleurs vidéo, vous voyez un contenu avec le numéro 292, puisque j'ai la 292e pièce de ce vaisseau. Voilà. Le vaisseau est donc numéroté puisque c'est une édition limitée. Voilà, voilà, voilà. Donc bah écoutez, je vais vous ouvrir cette boîte hein, tout simplement. Donc je vais changer de plan, je vais couper la vidéo de manière à ce que vous puissiez avoir un autre aperçu du contenu tout simplement de cette boîte. Donc c'est un produit avec le seal of quality, on ne le voit pas d'ici mais vous le verrez juste après, officiel Nintendo hein. Il y a le sceau de qualité, donc c'est un produit qui est approuvé par Nintendo, un produit officiel. Donc voilà, je me lève, je change de plan et je vous ouvre immédiatement le contenu de manière à ce que vous puissiez voir ce qui se trouve à l'intérieur. A tout de suite. Donc nous revoici installés différemment. Donc là vous voyez la boîte sous un autre flanc. Donc on peut remonter très rapidement, voilà les images de la boîte de plus près, filmées de plus près. Donc les différentes façades avec le vaisseau, le texte éventuellement pour ceux que ça intéresse. Et on va ouvrir donc la boîte sans plus attendre avec un zoom assez certain. Donc ça s'ouvre par l'arrière comme vous le voyez, il y a une languette. Je ne sais pas si on peut le voir à la caméra, voilà, ici. Donc on a un polystyrène qui protège le tout, que je vais renverser. Donc là je vais poser le micro immédiatement pour que vous puissiez voir la sortie du produit que j'avais déjà ouvert auparavant, mais j'ai reconstitué le rangement de manière à ce que vous voyez comment le produit arrive. Donc là un polystyrène qui renferme, alors comme on peut le voir on a même la reproduction sur le polystyrène, voilà des motifs donc tout simplement du constructeur et puis du titre Gunship Metroid. Donc voilà comment se déplier l'intégralité du produit. Vous voyez qu'incrusté dans le polystyrène on a ça. On va le mettre, on va l'ouvrir immédiatement, on va le décoller très rapidement et minutieusement, qui est une carte d'identification qui va permettre, donc alors je vais vous cacher le code quand même, mais une carte magnétique hein, d'identification qui permettra donc au possesseur de la figurine, carte d'authenticité, donc du constructeur, hein, donc, qui est d'ailleurs, je l'ai pas dit, First for Figurines, de pouvoir reconnaître la carte sur internet et d'être déclaré donc sur le site officiel comme étant officiellement le détenteur de la figurine. Voilà. Donc c'est du sérieux là, ils ont été très très loin les mecs. Donc je vais remettre la carte rapidement. C'est marrant parce qu'en plus la boîte ça s'apparente un petit peu à une boîte, un container donc de transport du jeu Halo, ou même pire, une boîte un petit peu de chevalier de Saint Seiya en fait, en quelque sorte. Hein. C'est la boîte de Pégase. Donc on va ouvrir tout de suite l'intérieur, pardon. Et donc là, vous reconnaissez la forme du vaisseau, qui comme vous le voyez, est relativement lourde et volumineuse. Donc voici le gunship que je vais mettre à l'envers immédiatement. Voilà. Voici la base. Ensuite,
Voilà, et je vais tout sortir du plastique pour que vous puissiez voir à quoi ressemble l'intégralité du produit. Donc c'est un produit extrêmement fragile, bien sûr. Donc on a une espèce de produit en verre dépoli qui est proposé ici, comme vous le voyez. Donc une grosse base bien solide, hein, bien costaud. Vous voyez qu'on se voit à l'intérieur. Hein. Donc on a un sentiment voilà, de quand même de qualité au niveau du revêtement. Sous la boîte, on a un compartiment marqué. Alors attendez, on va retourner ça comme ça, voilà. Donc avec donc, le First for Future, donc le constructeur. Donc le logo, bien entendu. Le Gunship Metroid Prime. Un compartiment pile, puisque pour le rétroéclairage, il va falloir insérer des piles. Voilà, donc je l'avais déjà rempli de piles à l'intérieur. Je referme le compartiment. Voilà. Et on a ensuite le sceau d'authenticité Nintendo, parce que c'est un produit officiel Nintendo. Et le numéro indiqué, qui indique donc le 292e produit. Puisque ces produits sont numérotés. Et on a une espèce de ventousage aussi qui permet d'éviter aux produits, par la suite, de bouger une fois qu'il sera posé. Voilà, donc c'est toujours sympa d'avoir ça. Donc c'est bon, au niveau du ventousage. Voilà, donc un produit qui a une bonne assise, hein, impossible de le faire tomber. Et ensuite, on va sur le gunship en lui-même, allons-y. Et j'ai envie de vous faire... Voici, et je le prends à bout de main, parce qu'il est extrêmement lourd, le gunship tel qu'il était présenté sur la boîte. Donc de Samus Aran, la célèbre chasseur de primes, la Bounty Hunter, dans sa version Metroid Prime 2 Echoes, éteint, puisque comme je vous l'ai dit, il fonctionne avec une alimentation. Donc vous pouvez le voir, alors on va le filmer de tout près. Vous avez quand même une reproduction fidèle avec les motifs, comme je vous le disais, sur les flancs de vaisseau. Je vais l'approcher de la caméra. Ici. Et ici. Voilà, donc je vais poser le micro pour vous faire une présentation, ce sera peut-être plus simple. Voilà, on y va. Donc, je ne sais pas si vous m'entendez toujours bien. Le sou également qui est très bien étayé, comme on peut le voir. Donc par-dessus, je vous rajouterai quelques photos pour avoir des zooms sur les parties du vaisseau pour ceux que ça intéresse. Vous voyez que le slot également vaisseau est amovible, ce qui permettra au vaisseau de bouger. Et vous avez ensuite un contacteur sous la base pour pouvoir allumer ou éteindre le vaisseau avec différents niveaux d'allumage. Pour vous montrer un petit peu le détail qui est derrière la boîte. On le voit pas comme ça, un bouton ici. Mais qui permet d'allumer le vaisseau. Alors je vais vous montrer le vaisseau en état de marche immédiatement. Attention, la magie va opérer. Voilà, donc là le vaisseau donc, est installé. Je vais d'ailleurs changer de plan pour vous montrer un petit peu le vaisseau d'une autre manière. Et quand on allumera le bouton, voilà ce qu'on va voir. Ceci, le vaisseau est rétroéclairé comme annoncé et peut être bougé dans le sens qu'on le désire. Et lorsque, donc vous pouvez le garder dans une position hein, pour l'exposition, et lorsque vous éteignez le bouton, vous avez soit l'éclairage qui s'éteint de manière ténue comme je viens de le faire là, soit direct. Donc c'est vraiment un produit qui a été étudié de manière à ce que voilà, il soit vraiment acquis par des fans qui voulaient un produit qui soit vraiment tout sauf un jouet, quoi, vraiment un produit de collection. Donc je vais vous proposer un autre plan de manière à ce que vous puissiez voir le vaisseau d'une autre manière, d'un autre angle, et puis on arrêtera ici cet unboxing. Voilà, donc là je vous propose un autre angle de caméra, tout simplement pour voir le vaisseau encore d'une autre manière. Donc là, comme on le voit, le socle est agencé de manière à ce qu'on ait vraiment un sentiment de profondeur et voilà un aspect pénétrant un petit peu du vaisseau. On a vraiment l'impression qu'il se déplace. Donc je vais rallumer celui-ci, voilà, pour que vous puissiez voir donc le vaisseau tel qu'il est lorsque voilà la LED est allumée.
Donc je pourrais également vous proposer donc le vaisseau dans une version alternative avec la lumière éteinte. Donc il faudrait que je ferme à ce moment-là tous les volets de manière à ce que vous ayez un effet on a un effet bleuté en fait qui recouvre le vaisseau un petit peu comme on l'a sur l'emballage, tel que voilà, on l'a derrière. Donc ça propose vraiment des effets de lumière incroyables. C'est assez dingue, surtout qu'on a deux LED également sous le vaisseau. Donc ça peut proposer vraiment quelque chose de sympathique au niveau de la présentation, voilà, l'aspect présentation. Donc bien sûr, il faut faire très attention, hein. J'imagine que si le vaisseau tombe, il y a des chances que des parties se cassent, notamment les petites parties fines que vous avez ici ou ici, voilà, qui sont relativement exposées à une chute si jamais voilà, vous faites tomber le vaisseau, ça risque de se casser facilement. Mais bon, là, vu la solidité de la base, c'est vraiment voilà, intéressant d'avoir cette assise, on va dire, pour tenir le tout. Voilà, donc j'espère que cet unboxing vous aura plu. J'en referai peut-être d'autres, hein, si j'ai l'occasion. Je vais mettre les produits, tiens, Metroid Prime, autour de la base du vaisseau. Donc j'espère que voilà, cette présentation vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires si tout simplement vous avez envie d'en faire. Le produit en lui-même, pour une échelle de prix, à sa sortie, il valait dans les 300$. Donc là, maintenant, je ne sais pas vraiment combien il vaut. J'imagine que ça ne va pas être donné non plus. Et puis voilà, j'espère, si vous souhaitez le retrouver, que vous arriverez à satisfaire votre bonheur. Dans la même lignée de cette figurine-là, il existait un autre produit d'ailleurs, qui était, attention, tout se casse ta gueule, qui était donc une réplica de Samus Aran en train de tirer donc justement le rayon de charge, qui existe en deux exemplaires. L'une en tirant donc le rayon de charge avec le costume Varia de base, et une autre avec le costume de gravité, donc une version violette de Samus. Donc voilà, deux figurines également qui fonctionnaient sous le même procédé, c'est-à-dire avec de l'alimentation pour pouvoir allumer la visière de Samus. Et qui voilà, est fait par le même justement constructeur, et qui voilà, est encore une fois une figure de collection. Donc j'espère que vous avez aimé cet unboxing. Je vous dis à très bientôt sur mes profils vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime sur ma page Facebook pour être tenu au courant de toutes mes publications vidéo, que ce soit ici, que ce soit, je sais pas, YouTube, Dailymotion, Showprime. J'ai différentes publications sur différents supports, et donc tout n'est pas forcément regroupé sous les mêmes profils, donc n'hésitez pas à rejoindre ma page Facebook pour pouvoir être au courant de tout ce que j'ai pu faire en termes d'interview, en termes d'émissions, hein, bien sûr, avec jeux électroniques toutes les semaines, ou encore combo vidéo, speedrun ou superplay, et quelquefois unboxing maintenant. Voilà, écoutez, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée, de me retrouver sur mon profil prochainement. Je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour un nouvel unboxing, qui sait, hein, si je fais une belle acquisition. Et bien entendu, comme le dirait Divonne, oh my brother, testify!